Yo tout le monde, c'est pas juste pour que vous ayez la forme que c'est un plaisir de vous retrouver les amis sur NBA 2K 2017. Nous sommes aujourd'hui sur le parc, messieurs dames, le parc, comme je vous l'avais dit, un endroit très spécialement spécial. Et aujourd'hui, notre objectif est simple et précis, gagner et dunker. Que demander de plus? Que demander de plus? Évidemment, je vous ai demandé de venir, donc j'espère qu'avec la Team Puff, on va pouvoir représenter bah, la Team Puff. Si vous kiffez le parc, si vous kiffez les dunks, si vous kiffez les vidéos sur le parc, n'hésitez pas à lâcher le petit like, la famille, partager les vidéos et vous abonner, messieurs, dames. Et nous, on va trouver un petit endroit où se mettre gentiment et on va montrer à toute la planète NBA et à tout le parc à quoi on est capable. Let's go! A few moments later. Bref. Putain, c'est pas trop tôt, mon gars. Ok, mec, on est parti pour un petit 4v4 des familles. On a attendu à peu près 1h30, 2h pour trouver, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est une blague, c'est pas vrai. J'ai attendu à peu près 5 minutes. Bref, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a une bonne petite équipe. On a un pivot 83, moi qui agresseur, un petit tireur d'élite et le tireur, enfin le créateur de tir 87. Donc je pense très honnêtement qu'on a une équipe qui est vraiment pas dégueulasse, une bonne composition, moyen de faire très très mal. En face, on a quoi? On a du créateur de tir, du tireur d'élite, de l'agresseur et du pivot. Mais en gros, à peu près la même compo que nous. Mis à part l'agresseur qui est meilleur que moi en termes de notes générales. Mais c'est pas tout ce qui fait le skill, tu vois. Enfin bref, on va leur mettre cher. C'est parti, les gars. Enfin, on va se concentrer un petit peu, évidemment. J'espère que je suis avec des bons coéquipiers qui font des petites passes, qui jouent bien. Ok, bah d'accord, je commence par perdre le ballon. Super, trop sympa. J'espère que je tombe avec des coéquipiers qui font des passes, qui jouent pas trop mal. Hop, on y va. Allez, non. Mais y'a pas faute là. En tout cas, je défends sur le mec qui a 92 général, perso. Donc, ça va être assez équilibré, je pense, sur ma défense. Je pense que y'a moyen que je me débrouille pas trop mal. Ça va être compliqué quand même par moment. Ça va. Parce qu'il va être plus rapide. Enfin, je sais pas trop c'est quoi de spécialité. Bon, je vais baisser un peu le son là parce que ça me pète les oreilles, mon gars. Voilà, c'est déjà mieux. Bref, on va essayer de faire ce que nous savons le mieux, c'est-à-dire bien défendre, c'est-à-dire bien jouer, c'est-à-dire bâcher, c'est-à-dire dunker, messieurs dames. Let's go, allez. Même si j'ai perdu un ballon pour commencer, je sais pas comment il a fait, j'ai à peine reçu le ballon que j'ai perdu. Interception, non. Ok, il va... Non. Après, ce qui est bien aussi, c'est que rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo du mois de ma carrière, j'ai progressé un petit peu mon shoot extérieur. Donc il y a vraiment moyen que je fasse un peu plus mal que d'habitude. C'est-à-dire que sur le parc et même partout en carrière, etc., j'ai l'habitude de jouer... Ben, je suis vraiment agresseur-agresseur, donc de jouer près du panier, sur du double pas, etc. Ça reste ma spécialité, mais si j'ai une bonne opportunité de lâcher un shoot à 3 points parce que je suis tout seul, franchement, faut pas que j'hésite, quoi. Faut vraiment pas que j'hésite, parce que mon bonhomme, même si j'ai que 50, si j'ai le shoot, belle défense de ma part, voilà, bien joué ça. Si vraiment je suis tout seul, genre dans un angle préférentiel, c'est-à-dire dans le corner, franchement, faut pas que j'hésite à prendre le shoot, parce que je vais pas le mettre à tous les coups, certainement, mais y a vraiment moyen que je leur fasse mal là-dessus maintenant. Ça ouvre un peu plus mon panel, un peu plus à la DeRozan, comme je disais. Ok, il force le shoot, et il le met. 3-0 pour nous, les gars. Après, nous, comme j'ai dit, on a du créateur de tir, on a du tueur d'élite, on a du pivot. Ouais, bah, mais mon pote, mais il y a moyen de faire une série de 30 000 sur le parc, quoi. Tu sais, t'es obligé de quitter. Oh, bah d'accord, récupère. Non, c'est pour. Tu quittes le parc, c'est pour une seule raison. C'est parce que t'as autre chose à foutre après, tu vois. Bref, j'arrête pas de dire bref, putain. En fait, j'ai toujours mes mots du moment, moi. Allez, on arrête de dire de la merde. Interception, non, dommage, on au rebond. Bien joué, ça. T'es où, pivot meneur? Tiens, l'ami. Je te fais un écran. Je te fais un écran, il force le shoot 3 points, là par contre c'est forcé là mec. Là franchement c'est totalement forcé de faire des passes gros. Essaye de jouer avec nous tous, belle défense. Oh là là. C'était pour la photo les gars, c'était pour la miniature. Elle est 3-2 pour nous. En tout cas, s'il y a bien un truc les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Allez, tu finis. Bien joué, c'est la petite passe des familles. Mais après ce n'est que mon avis, mais les musiques... Après, vous l'avez remarqué, les musiques, je les utilise très peu dans ce NBA 2K 2017. Précédemment, dans le CS, j'utilisais beaucoup les musiques de jeu. C'est-à-dire que je les regardais énormément pour mes vidéos parce qu'elles déchiraient, c'est de la musique de ouf. Mais là, franchement, je trouve qu'ils ont chié dans la colle un petit peu dans leur musique. Hop, ok, tu m'as vu, hop. je vais à gauche, je me démarque. Non, tu m'as vu, je suis tout seul, mec. Voilà, là, faut pas que j'hésite, là, je le mets. Mais non, mais là, je suis censé le mettre, là, sérieux, je suis tout seul, gros. Là, franchement, je suis tout seul. Bon, faut vraiment pas que j'exagère non plus. Ok, d'accord. Faut pas non plus que j'exagère, j'imagine, sur les 3 points. Hop. Allez, tiens, l'ami. Mais les musiques, regarde ce genre de musique. Là, je vais vous mettre un petit moment de la musique, mais elle est nulle à chier, mec. On se croirait sur,
C'est pas pour... Je sais plus c'est qui, j'avais reçu la playlist. C'est-à-dire qu'en fait, 2K va donner le boulot de faire une playlist à quelqu'un en fait. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va devoir s'occuper de la playlist. Et là, franchement, le mec s'occuper de la playlist, il a fait de la merde. Là c'est, on dirait énergie, on dirait... c'est pourri. Enfin, il y a 2-3 musiques qui sont pas mal, comme les musiques de Drake, comme les musiques à moitié dub. Ça change, et franchement, c'est sympa, mais ce genre de musique-là, ça fait... Après, chacun ses goûts, mais... Personnellement, je préfère un bon petit rap, tu vois. Après, la meilleure musique du jeu, je dirais que c'est Yansug. Hop, tu m'as vu à droite. Tu m'as vu à droite, mec, je suis tout seul. Je coupe. Bien joué, ça. Hop, je t'ai vu à droite. À gauche, pardon. Et tu finis, mon pote. Bien joué, ça. Ça, c'est l'altruiste, mon gars. Œil pour œil, balle pour balle. 3 point pour 3 point. Allez, 8-6. On se concentre, on va le concentrer, Tomate. Faut qu'on gagne ce match. Non, ah, c'était pas mon genre, les gars, je suis désolé. Hop, on le rebond. On l'a pas eu. Il va forcer. Voilà. Oh fuck, le contre illégal. Un rebond de passe dans notre 2B, les gars. Par contre, on score pas beaucoup. Enfin, il y a pas. On est bon en défense. Le peu de ballons qu'on a, on les utilise bien. Mis à part la perte de balles au début. Mais on n'en touche pas beaucoup de ballons, par contre. Ça fait un petit peu chier. Hop, tu m'as vu à gauche. Là, fini. Tu finis. Là, franchement, tu pouvais finir. Petit 3 points. Écoute, bien joué. 11-8 pour nous, les gars. Après, quand tu vois les tireurs d'élite qu'on a dans l'équipe, j'ai envie de te dire. Les mecs, s'il te plaît, quoi. Bien joué, ça. Tu m'as vu, je suis tout seul. En fait, non. Alors, franchement, mon gars, si tu le mettais, si on commence à avoir même des pivots qui lâchent du 3 points. Non, mais allô, quoi. Non, mais s'il te plaît, quoi. Hop, tiens, à droite. Allez, joue, mon pote. Et fais des passes un petit peu. Moi, je suis le dunker de l'espace de la mort qui tue, alors. Hop, tiens, je t'ai vu, gros. On essaie de se démarquer un peu à droite. Non, il veut pas. Je suis tout seul, gros. Hop, attaque de haut panier. Prise à deux. Je t'ai vu. Mais non, mais mec, mais d'où, quoi? D'où je perds le ballon, sans déconner? Non, mais sérieux, mais d'où je perds le ballon? Mec, appelle Jules Rousseau et je le perds. Après, le mec, il a 90 de général. Ça doit être un excellent défenseur, j'imagine. Vu les pertes de balles que j'ai. Hop, tiens, mon pote. Là, tu prends ton temps, tu finis. Bien joué, ça. Allez, on repasse devant, 14-12. Putain, si j'ai pas ces deux pertes de balles à la con, sans déconner. Ce serait le feu, quoi. Interception. Oh, dommage. Concentré, je sais que je parle. Ok. Ok. Allez, défense. Ça passera pas, mon gars. Qu'est-ce t'as cru? Ça, c'est de la défense, frérot. Moi aussi, il faut que je me venge et que je prenne 2-3 ballons, là. Hop, on coupe. Voilà, bien joué, ça. On a bien changé. Tu m'as vu, comme si tu me l'affiches, je peux couper à droite. Non, il veut pas, le petit écran. Ah, mais ça, c'est forcé, gros. Ok. J'ai rien dit. Y'a pas de problème. J'ai rien dit, mon pote. Allez, 17-12, les mecs. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais dernièrement, je me concentre vachement plus qu'avant, je trouve. C'est-à-dire qu'avant, je papotais beaucoup plus. Là, j'essaie vraiment de me concentrer un peu plus sur mon jeu, en fait. Ce qui est vrai, là-dedans, c'est que du coup, je suis assez meilleur, dois-je dire. Même si je bafouille beaucoup, mais ça bon. Pas fouille n'est pas bafouille. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu m'as vu à droite, non, je suis au rebond. Dommage. Interception, non. Concentré les gars, ça passe pas. Non. Bon, 17-14 les gars. Faut qu'on leur mette chien, qu'on mette un petit dunk les gars. Putain, on en a même pas mis un du match là. Sans déconner. Allez, le petit. Hop, je t'ai vu. Ok, j'ai cru que j'avais perdu le ballon, excusez-moi. Hop, le petit écran, mais il joue un petit peu tout seul. Tu m'as vu, non, tu finis tout seul. Wouh! Bah, on a le 2 dunk, c'est pas de ma part, mais on a le 2 dunk. Après, c'est le problème, quand tu joues en 4v4, bah, du coup, t'as moins de chances de toucher le ballon. Après, selon moi, sur le parc, le mieux, ça reste le 3v3. Le mieux, ça reste le 3v3. Le 2v2, c'est le mieux pour Pex, pour gagner en XP et monter. Mais c'est le plus rageant quand tu perds. Et le 3v3, je pense que c'est le plus amusant. Et la petite victoire. Bah, en tout cas, on leur dit au revoir, les mecs. Au revoir. On commence par une petite victoire, on n'a pas fait grand chose même si on a bien défendu. Mais bon, c'est le 4v4. On va continuer, on va rester en 4v4 en espérant. Je sais, ça fait assez bizarre, je reste pendant une demi-heure comme ça. En essayant de toucher un peu plus de ballons et en essayant de faire des choses sympathiques. En tout cas, j'espère que vous kiffez le parc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous kiffez le parc, oui, je reste comme ça, c'est vraiment pas mal. Et puis de me lâcher le petit like des familles si vous kiffez le parc, vous en voulez un peu plus. À me dire dans les commentaires si vous préférez lorsqu'on fait du 2v2, du 3v3, du 4v4. Et je pense que la prochaine vidéo sur le parc, on ira au Jordan Center ou à...
que je kiffe vraiment pas mal, ça poêle cool. Bref, on continue les gars. Et j'arrête cette main parce que c'est assez gênant. Ah, enfin. Ok les potes, on est parti pour un 3v3. Donc j'ai changé parce que le 4v4, c'est vrai que j'ai pas touché beaucoup de ballons. Donc j'ai voulu changer en tout cas en 3v3 face à du pivot, ailier fort et meneur de jeu. Avec des bonnes petites notes générales quand même pas dégueulasses. Moi de mon côté, je pense que j'ai des mecs pas dégueulasses aussi. Donc il y a moyen de faire un bon match. On a un arrière-agresseur, ben c'est moi, un meneur de jeu, tireur d'élite et un pivot écarteur de jeu, donc on a moyen de faire quelque chose de pas mal, même si le pivot écarteur de jeu, c'est pas mon pivot préféré, parce que le pivot écarteur de jeu, c'est en gros le pivot qui est capable de clasher du tir à 3 points, donc c'est pas le mieux, enfin, on va se concentrer, on va le concentrer tout match, on va essayer de faire un beau match, on est en 3v3, donc il y a moyen qu'on prenne aussi un peu le jeu à notre compte, et qu'on joue, oh, what? Et qu'on joue un petit peu, quand même, en rebond, mais pas possible, donc ça peut être cool. Le premier à 21, let's go, concentré, la casquette, c'est parti. Je sais, je dis un petit peu de la merde. Allez hop, tu m'as vu, je te fais un écran gros. Vas-y, je viens te faire un écran. Non, tu t'en balèques. Tu m'as vu au poste. C'est marrant parce que c'est moi qui est au poste. C'est pas trop mon but, mais bon. Hop, je te fais la petite feinte, c'est pas ce que je voulais faire, mais je le mets. Ok. Allez, 2-2 les gars, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, ok. On a déjà mis un panier de plus que le match d'avant. C'est-à-dire 2 points. Allez, concentré les gars, moi je prends bien mon joueur. C'est cette musique-là que je kiffe les gars. Il y a une sug, mon pote. Hop, le petit. Oh, dommage. Les gars, la défense. C'est pas normal qu'ils soient tout seuls, les mecs. C'est pas tout seul. Faut pas qu'ils soient tout seuls, les gars. Allez, allez, dépêche-toi, les gars. Putain, faut mettre du rythme, là. Allez, là. Mettons du rythme. Bon, allez, vas-y. Tiens, tu m'as vu là. Non, tu veux pas. Tu m'as vu. J'espère qu'il joue pas trop perso. Vas-y, je lui fais un écran. Ok, et puis il perd le ballon. Bah, c'est trop bien. Génial, bien joué. Hop, on essaie d'intercepter. C'est un échec. Mais on a bien défendu comme il faut quand même. C'est dommage. 2 points. On essaie de défendre. Franchement, il y a vraiment, vraiment moyen de gagner ce petit 3v3 à la team. Après, le parc, personnellement, le 3v3, j'aime bien. Mais je préfère largement jouer au parc avec vous, avec des mecs que je connais. Avec la team, lorsqu'on a une bonne compo, etc. Parce que c'est vrai que quand on joue avec des mecs random comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Oh là là, il m'a bolos, le petit écran. Allez, défend sur lui, défend. Je suis au rebond, les gars. Ah fuck, 6-2 pour les gars. C'est vachement plus compliqué parce que quand tu joues avec des mecs que tu connais, avec une team, franchement c'est beaucoup plus intéressant parce que ça va jouer avec des passes. Oh tu m'as vu, oh je coupe. Mais non mais mec fait des passes, voilà c'est ce genre de choses que je n'aime pas. Le mec il fait des petites dribbles mais il perd le ballon, il fait de la merde. Allez là. Bon après ça joue la faute, voilà c'est pas de sa faute mais faut faire des passes gros. Allez. Si tu m'as vu derrière, fais moi une petite passe, non il veut pas. Je te fais un écran, il s'en bat les couilles. Non, me moque, non. Non, faut pas jouer comme ça, les gars. J'ai horreur quand ça joue comme ça. Et c'est justement pour ça que je disais que c'est pas bien. Enfin, que j'ai... Ah. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Allez, tu m'as vu à droite, non. Oh là 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 là. Tu m'as vu, je suis tout seul. Hop, le petit double pas. Je t'ai vu. Allez, vas-y, tu finis, gros. Là, tu finis. Là, c'est bien joué. Et là, tu loupes. Mais non, faut pas louper. Faut pas louper, surtout que voilà, tu t'es fait chier à faire un écarteur de jeu, à faire un fucking pivot. Bon, à 3 points, il faut planter tes 3 points. Parce que sinon, même moi qui est arrière-agresseur, je serais meilleur que toi. Hop, on défend bien. Alors, on défend bien, mais là, je pouvais rien faire, mis à part me protéger pour pas me prendre un coup dans le nez. Allez, 2-8, les gars, putain, mais c'est. Je suis pas tombé dans une super team d'après ce que je vois pour le moment. Ça joue perso, ça fait pas de passe, c'est. C'est pas, voilà. Il met les paniers, forcément, parce qu'il va vite, etc. Mais franchement, c'est vraiment... J'aime pas quand ça joue comme ça, les gars, franchement. Aidez-moi, les mecs, comme je disais lors de la première vidéo sur le parc. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, les gars, parce que je le dis, comme je le dis au début de la vidéo, quand je vais jouer sur le parc. Donc franchement, ça pourrait être super sympa. Hop, allez, interception, non, ça marche pas. Ah, là, 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 là. Moi, j'essaie de montrer un petit peu l'exemple. Et voilà, les gars, c'est comme ça que ça marche. Mon bonhomme qui est juste de tension et qui met 2 ans à se mettre bien. Je vais au rebond. Dommage. Mais on a la faute, ça va. Mon bonhomme qui a mis 2 tensions pour se retourner, aller vers le panier, c'est dommage. On aurait pu aller claquer le petit deck des familles. Tu mets à droite. Non, tu veux pas. Oh là là là, mais mec, mais fais des passes, quoi. Faut faire tourner, les gars. C'est aussi simple que ça. Faut faire tourner, faut bouger, faut. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, t'es tout seul, tu prends le shoot. Non. Mais là, t'es... Faut le mettre aussi, là. Allez, 4-10.
4 à dispo, les gars, on n'est pas censé se prendre une branlée là. On est censé avoir une bonne équipe, avoir un bon pivot, avoir une bonne composition, tu vois ce que je veux dire. Donc les mecs, c'est pas normal, hop, je te baise. Non, ça marche pas. Tu vois, quand ça marche pas, tu fais les passes. Là, c'est bien. T'es tireur d'élite, donc tu mets tir à 3 points. J'avoue, quand ça joue comme ça en face de moi, avec des équipes qui font que shooter à 3 points, oh, ça a tendance à me faire rager, les gars, mais un truc de ouf. Mais après, bon, il faut avouer que bon, il est tireur d'élite, donc c'est sa spécialité, les tirs à 3 points. Donc, il doit mettre du tir à 3 points. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ça dit, les gars, pour eux, on est sur 2 points. Une petite interception, on défend bien. On a essayé d'intercepter, ça marche pas. Mais on n'a pas eu l'opportunité de lâcher des petits paniers, de mettre des petits dunks et autres. Oh là là, belle défense. On a encore été victimisé un peu, mais on gêne le mec et on défend à peu près correctement, donc ça passe. Hop, vas-y, je te fais un appel. Non, tu veux pas. Dépêche-toi un peu comme ça, sinon tu vas perdre le ballon. Ok, ça passe ici. On y va pour le premier. Mais non! Mais non! Le premier de dunk, je l'ai vu. Il était là, il était devant moi. Il était destiné. Le panier, il était comme ça en train de dire, vas-y, dunk sur moi. Mais non! Oh là 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 là, je suis maudit, les gars. Je suis maudit, les gars. Là, franchement, je suis maudit. Autant le premier match, on le gagne, mais je fais rien de spécial, tu vois. Mais là, ce deuxième match, c'est fuck, quoi. Ok, il joue. C'est bien. La petite feinte, et tu plantes, non? Ok, bien joué. Même si. Ah, c'est un 3 points, en fait. C'est un 3 points. Allez, 12-10, les gars. Deux petits points, une interception et un beau petit gros badge dans notre petite tête. Mais fuck, quoi. Hop, pour nos rebonds. Voilà. On fait ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire. Jouer. Hop, je t'ai vu derrière. Dommage, je donne un petit peu en retard, je suis désolé, c'est de ma faute là. Je suis au rebond. Mais ok, bon écoute. 13-12 pour nous les gars, bon. Ça m'a pas compté la passe D malheureusement, mais écoute, ça passe. Doucement mais sûrement. Là pourtant, on n'a pas de duc là, ça fait chier quoi. Après, je pense que. Je vais peut-être essayer de. Mais prends le ballon. Ok, bon, il a fait un marché. Je vais essayer pourquoi pas de lâcher des petites redis parce que c'est vrai que. Lorsque je joue au parc en live, c'est quand même. Vachement sympa parce que du coup, vu que je suis en live Twitch, vous me rejoignez en direct sur le parc. Donc du coup, c'est vrai que c'est... Les parties sont vachement plus dynamiques, plus mieux, plus sympathiques, tu vois ce que je veux dire. Les gars, allez bâche. Voilà, bien joué ça. Tu te fais respecter un peu, hop, moi je prends le rebond. Et là, on y va les gars, hop, tu finis mon pote. La petite passe D. Ok, je suis tout seul, on prend notre temps et on plante. Voilà. Là, c'était bien joué. Là, c'était proprement propre. Voilà, comme monsieur propre. Allez, 15-12 pour nous, les gars. On va gagner ce petit match. C'est bien, doucement, mais sûrement, les gars. On a mal commencé. Mais c'est bien, je pense que... Oh, là, j'ai mal défendu, les gars. Ok, on a mal défendu. C'était une défense dégueulasse de la part de toute l'équipe, donc ça va. Je suis un petit peu moins déçu de ma défense, ça va. Ouais, vas-y, faut faire un appel, les gars. Tu m'as vu. Hop, le petit double... Ok, d'accord, c'était totalement fail. Je te fais un écran, tu t'emballes. Il va la jouer tout seul. Et il loupe, c'est dommage. C'est dommage parce que là, franchement, je suis tout seul. J'attends qu'une chose, c'est le ballon quand c'est comme ça. Ok, là, c'est bien joué de la repart. 16-15, pardon, pour eux. Allez, les gars. Je prends mon temps. Hop, tiens l'ami. Là, t'aurais pu filer à droite. Non, ne prends pas le shoot. Joue sur moi. Voilà, ça, c'est bien joué. Comme ça, ils l'ont dans le vent. Le mec, il est dans le vent et le genou. Je fais de la merde. Merci beaucoup. Cordialement. The Pafouille. 16-15. Oh, désolé, les gars. J'aurais peut-être dû le shooter en première intention. J'aurais certainement fait beaucoup mieux que ça. Et du coup, 18-15, les gars. Mais impossible n'est pas de dunk, les gars. On peut largement revenir. Vas-y, un petit écran si tu veux, gros. Sur la gauche. Voilà, ça c'est propre. Un deuxième. Je vais au rebond. Et tu le mets. Bien joué, ça. Je me suis rattrapé. Allez, 18-18, les gars. Ils ont une balle de match. S'ils mettent un 3 points, on l'a bien profond dans notre fessier, quoi. Les gars, allez, pas 3 points. On se prend pas de 3 points, on se prend pas de pain. Non, mais non. 20-18. Je suis concentré, les gars. Le 3 points. Faut qu'on mette un 3 points. Comme ça, ah ben non, si on met le 3 points, il y aura 2 points d'écart. Non. Ok, excuse-moi. Bon là, faut pas qu'on se prenne deux paniers tout court, c'est assez relou, mais c'est comme ça, parce que là, du coup, il faut 2 points d'avance. On n'a pas envie de se prendre deux paniers tout court, bien joué, belle défense. Voilà, le rebond. On reprend notre joueur. Non, les gars, faut pas laisser prendre de shoot. J'y suis. Non. Désolé. Voilà, bon, c'est une défaite, écoute.
C'est parce que la Team Paf n'était pas là, la Team Paf n'était pas présente, la Team Paf n'était pas avec moi. J'étais solitaire, et non pas solidaire. C'était sympa comme phrase, non? En tout cas, les amis, on finit sur un 22-20 en 3v3. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos sur le monde parc. J'ai bafouillé un petit peu au début de la vidéo, mais je m'excuse. J'ai la crève. Enfin, j'ai la crève. J'ai un gros mal de crâne. Je sais pas si c'est la crève, mais j'ai un très gros mal de crâne. Et Feralgan et Doliprane est mon ami. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez les vidéos sur le parc. N'hésitez pas à lâcher le petit like des familles, partager la vidéo si ça vous a plu et vous abonner pour faire partie de la Team Paf. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sur le parc, on verra. Faire un petit tour au Jordan pardon, Center, ce qui pourrait être plutôt pas dégueulasse et plutôt sympa. J'aimais beaucoup le Jordan Center. Avec la Team Paf, ça pourrait être beaucoup plus sympa. En tout cas, je vous laisse sur le petit bonus des familles. Parce que là, on a pas fond. Voilà, il n'y a pas eu de dunk, il n'y a pas eu. C'était. Voilà, on reste sur notre fin et moi je reste un peu sur ma fin. Donc c'était pas du sur la FFS. Peace. I ride this way, put me in the crowd when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams. I'm a cannibal. I rise on fleek. What in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive. But let me be straight up, this shit is for me. Et hop, le petit dingue des familles. Killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now, right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Yeah. Right now, right now. Right now, right now. On my grind all day, rap so good, but I get so paid. I ain't from the up, but I've had bad days, so I smoke all day to avoid all the pain. Management said I should sound OG. Right about the time you're homie OD. Here, we bought you a whole bag of weed, so you could sell out and sound so motherfucking goddamn high. All I do is smoke and I write these lines. School in good grades where I fell behind. Picking up the piece of paying back my time.